La dernière fois, je vous avais lu ça, trois chapitres des cinq, il y a cinq chapitres. OVNI en Antarctique, Pierre-Paul Hod. Pareil, hein. Atlantide, la révélation, Pierre-Paul Hod, pareil, sous le mystère, le voile du mystère. J'en mettrai tout de toute façon. Et là, je vais vous lire, sous le voile du mystère, notre Terre est-elle creuse, chapitre 3, Richard Byrd. On va revenir sur Richard Byrd, justement. J'ai regardé par rapport aux autres chapitres, non, c'est pas les mêmes. Heureusement, c'était les mêmes chapitres, pas emmerdé, je veux dire. Donc, non, c'est pas encore pareil. On parle de Richard Byrd aussi là-dedans, mais pas comme le, pas comme celui-là d'ailleurs. Mais différemment. Là, c'est encore plus précis, je crois, dans certaines choses. Puis c'est long en plus à lire, c'est long à lire. Donc, ça va être pas mal non plus. Et il y en avait un autre aussi enlevé par l'extraterrestre, et je l'ai pas trouvé. Ça doit être marqué dedans, je crois. Je ne l'ai pas trouvé, mais bah, c'est marqué ici. Enfin, sur Amazon, mais de toute façon, des livres sur les enlèvements extraterrestres, j'en ai tout plein. Expérienceur, j'en ai au moins 10 ou 12 livres. Donc je me suis dit, bon, sur le coup. Voilà, Atlantide, la révélation, je vais vous montrer. Venir en Antarctique, et puis celui-là. Puis il y en a un autre, mais je n'ai pas trouvé. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop. J'essaierai de l'avoir plus tard, mais je verrai bien. Bon. Sous le voile du mystère, notre Terre est-elle creuse? C'est le même format, c'est ce que j'aime bien. Allez, je vais vous faire l'Atlantide. Sauf que les titres ils changent, ça c'est bien, franchement. Et ouais, et pareil dans les 100 pages, un peu plus, là il y a 113, un peu plus de pages. Là tu avais quoi, 80 pages? Antarctique, alors sous les voies du mystère, notre Terre est-elle creuse? C'est comme la Lune. Encore une fois, on rejoint. Depuis les théories scientifiques les plus audacieuses jusqu'au délire, fiction, bah oui, mais ça je me doute, fictionné, les plus débridés, en passant par les nés méambres de notre imaginaire, ce livre vous invite à une exploration vertigineuse d'une des idées les plus fascinantes et les plus persistantes de l'histoire humaine. Alors, il devrait faire le même aussi pour la Lune. Ça serait intéressant sous le mystère de la Lune cachée. La face cachée de la Lune, ça aurait été bien de faire un livre comme ça. Celle d'un monde caché au cœur de notre planète. Des spéculations d'Edmond Halley au roman de Jules Verne, ah oui, et Edgar Rice Burroughs, des expéditions polaires aux théories du complot, des mythes anciens aux jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous découvrirez, bah moi c'est une PS5, c'est vrai que les jeux vidéo, il y a quand même pas mal de jeux qui sont intéressants. Bon, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui sont intéressants. Vous découvrirez comment cette hypothèse a hanté et nourri notre culture, notre science et notre imaginaire collectif pendant des siècles. Mais au-delà de son histoire mouvementée et de ses avatars littéraires ou artistiques, c'est surtout la portée philosophique et poétique de la Terre creuse que cet ouvrage met en lumière. Car en envisageant l'existence d'un monde souterrain, c'est notre rapport au réel à nous-mêmes qu'interroge en profondeur notre besoin d'aventure et de mystère, notre soif d'ailleurs et d'altérité. Véritable invitation au voyage intérieur, à l'exploration de nos propres abîmes et merveilles intimes, ce récit érudit et rêveur nous rappelle que c'est en osant penser l'impensable et rêver l'impossible que nous repoussons les limites de l'humain. Un éloge de la curiosité, de l'imagination et de l'émerveillement, aussi stimulant pour l'esprit qu'envoûtant pour l'âme. Pardon ? Alors prêt à plonger dans les profondeurs vertigineuses de la terre creuse de vous-même, ouvrez ce livre et laissez-vous emporter dans le périple extraordinaire au cœur du savoir et de l'imaginaire. Alors il y a deux... Oui, Jules Verne, mais il y a aussi des films. Oui, Jules Verne, forcément. Il y a les films aussi, c'était avec le 1, j'ai le 1, le 2. Bon, c'est plus, on va dire, c'est plus familial, mais bon. C'est intéressant quand même. C'était avec The Rock, l'acteur, là, je sais quoi, c'est Voyage au centre de la Terre. Le premier, c'était avec, je sais plus comment il s'appelle. Pourtant, j'ai le film La Momie, j'ai les statues, ça, mais bon. L'acteur, là, qui a joué dedans, il y a vu le 1 et le 2, Voyage au centre de la Terre. Il y a aussi deux autres films avec les nazis. Pareil, dans le 1 c'est sur la Lune, artefacts, etc., base nazie. Et dans le 2 c'est Terre creuse avec des reptiliens, Hitler. Bon,
je sais plus le titre, Iron Sky, voilà. Iron Sky. De toute façon, vous le trouvez, hein, soit 1 et 2. Bon. Alors, évidemment, ça reste des films, hein, c'est du... bon. Mais c'est toujours intéressant de l'avoir parce que bon, il y a souvent des petits trucs dedans qui sont quand même qui se rapprochent à la réalité, quand même. Pas mal d'ailleurs. Allez, je vais vous lire le chapitre 3. Alors, je vous montre les chapitres avant. Moi, j'ai passé directement au 3, c'est témoignage d'expérience vécue. Après, je vais voir peut-être encore une vidéo ou deux, culture populaire, représentation, ou peut-être que j'en reviens à argument scientifique, observation. Ouais, j'en reviendrai peut-être au chapitre 2, je vais voir. Il y a au moins 2 ou 3 vidéos à faire. Voilà. Bon, peut-être que je ferai les 5, je sais pas, je vais voir. Allez, page 55. En plus, c'est long à lire quand même. Page 55, on va y arriver. C'est pas 55, c'est 56. Bon, c'est pas grave. Témoignages et expériences vécues, chapitre 3. Parmi les témoignages les plus célèbres et les plus troublants en faveur de la théorie de la Terre creuse, celui de l'amiral Richard Evelyn Byrd occupe une place à part. On peut même dire une place unique, une sorte de première marche sur le podium de l'extraordinaire. Alors, comme j'aimerais le rappeler, il y a aussi Olaf Janssen, qu'on n'en parle jamais. D'ailleurs, on va voir s'il en parle, parce que j'ai pas encore lu hein, ce passage-là, ce chapitre-là. J'avais déjà lu l'un et deux, mais j'ai pas lu le chapitre 3. On va voir s'il en parle. Alors, d'Olaf Janssen, que Daniel Aron en parle. D'ailleurs, il est décédé, je ne savais même pas qu'il était décédé en mars 2014. 2024. Mars ou avril, j'avais complètement. Je pensais qu'il était encore vivant. Daniel Aron, il y en a qui m'a dit ça. Bon, j'étais surpris, donc je ne savais même pas. Du coup, ça me fait un petit peu. J'étais surpris, je pensais qu'il était encore là. Pourtant, j'ai vu une émission pour moi qui était pour il y a peut-être même pas 5-6 mois, et j'étais sûr que c'était lui, Daniel Aron. En 5-6 mois, ça remonterait. Ah, c'est ouais, c'est possible, je vois. Ce grand explorateur polaire américain, déjà évoqué dans notre premier chapitre, aurait en fait vécu une expérience prodigieuse lors de son vol historique au-dessus du pôle Nord en 1947. Roswell, forcément. Ça se touche. Une expérience qui, si elle était avérée, apporterait une preuve décisive de l'existence d'un monde intérieur habité. Rappelons brièvement les faits. Le 19 février 1947, Richard Byrd, alors âgé de 58 ans, entreprend, ouais déjà, il n'était pas déjà tout, bah, c'était pas non plus vieux, mais bon. Entreprend un vol solitaire au-dessus de l'Antarctique à bord d'un petit avion. Je veux dire, il n'y a pas une trentaine d'années, quoi. Hein, ou 20 ans. Hein, vingtaine d'années. Officiellement, il s'agit d'une mission de reconnaissance et de cartographie menée par la marine américaine, mais ce qui va se passer lors de ce vol dépasse de loin la routine d'une expédition scientifique. Sur le récit qu'en fera Byrd lui-même, dans son journal de bord et dont les extraits seront publiés de manière controversée en 1971, l'aventure prend une tournure étrange après quelques heures de vol. Alors, qu'il survolait d'immenses étendues glacées, ses instruments se seraient déréglés, son compas magnétique se serait affolé et son altimètre aurait indiqué une altitude décroissante. Bien qu'il continuât à voler à l'horizontale, Byrd aurait alors été pris dans un étrange brouillard verdâtre et aurait perdu le contrôle de son avion comme aspiré par une force irrésistible. L'amiral est soudain, le triangle des Bermudes, hein, et de toute façon s'associer, le triangle des Bermudes, il paraît que ce serait, enfin après je ne suis pas vraiment sûr, il y aurait une pyramide en cristal en dessous, et il y aurait des arches spatiales autour, justement, pas loin du triangle des Bermudes. Alors après, bon. L'amiral est soudain pris d'un malaise inexpliqué. Après une courte perte de conscience, il affirme s'être réveillé en survolant un paysage étrange et magnifique. Au lieu de la banquise attendue, il découvre un paysage parsemé de vastes plaines verdoyantes, de lacs cristallins, de forêts, de montagnes au sommet enneigé, éclairé par un soleil intérieur. Son ébahissement est au paroxysme lorsqu'il aperçoit, volant autour de son avion, d'étranges engins en forme de soucoupe. Il s'agit ni plus ni moins d'OVNI qui semble pacifiquement l'escorter et le guider. La destination vers laquelle l'avion de Byrd semble tracter est une cité scintillante nichée au cœur de cette terre inconnue. L'amiral en conclut qu'il vient de découvrir la légendaire monde d'Agartha décrit par les traditions orientales. Byrd se pose alors en douceur. Descendu de son appareil, il est accueilli par de grands et beaux humains vêtus de toges blanches et l'invite à les suivre. À ce stade de l'histoire, reconnaissons que nous avons franchi un cap avec Richard Byrd. Un trou dans la raquette de notre réalité, un genre d'oasis polaire, des ovnis et maintenant des êtres humains ou presque vivants dans ce monde merveilleux. Conduit devant un conseil des sages, Byrd témoigne avoir été soumis à une forme de scan mental par un appareil futuriste permettant une communication télépathique. Ça, c'est toujours le coup. Ça, c'est une question que ce soit n'importe quelle race, extraterrestre ou intraterrestre, ce que tu veux, il y a toujours la télépathie. C'est... Bon, ça.
Les Ariani, alors Ariani, lui aurait été, alors Ariani, lui aurait transmis, ainsi transmis, un message de paix et de sagesse à destination des peuples de la surface, les mettant en garde contre les périls de la course aux armements nucléaires et de la pollution. Ah bah ça, la pollution, c'est pas la première fois que j'entends ça. Hein. Ils auraient également révélé à Bird qu'ils étaient les descendants d'une antique civilisation terrestre ayant fui les cataclysmes de la surface pour fonder un monde pacifique et prospère à l'intérieur du globe, doté d'une technologie très avancée, en harmonie avec les lois naturelles, ils veillaient secrètement sur l'évolution de l'humanité extérieure dans l'espoir de le guider un jour vers la lumière. Après ce qui semble être des heures d'échange, Bird est raccompagné à son avion par ses hôtes bienveillants. Il a repris son vol à travers les entrailles de la Terre, guidé par un rayon tracteur émis depuis la cité des Ariani. Il reprend alors son vol, franchit à nouveau la barrière, séparant les deux mondes, et émerge à nouveau de l'ouverture polaire. Il aurait retrouvé son monde familier de l'Arctique, l'Arctique, je confonds toujours l'Antarctique, l'Arctique, non sans avoir juré de garder le secret sur son incroyable découverte. De retour à sa base, Bird est accueilli par ses équipiers inquiets qui le croyaient perdu. Mais lui sait qu'il vit, il vient de vivre une expérience unique qui va changer à jamais sa vision du monde. Au retour de cette bouleversante mission, Bird aurait consigné son expérience dans un journal personnel, avec l'intention de le révéler un jour au monde. Mais des agents gouvernementaux en auraient aussitôt saisi le manuscrit, le classant top secret. Bah oui, bah tiens. Seules quelques copies auraient circulé dans un cercle restreint avant d'être publiées de manière confidentielle dans une obscure revue nommée Amazing Story. Voilà en substance le récit stupéfiant. Alors il reprend un peu le même truc dans en Antarctique, mais après ça va être beaucoup plus long. Voilà en substance le récit stupéfiant livré par Bird dans son prétendu journal secret. Un récit qui, s'il était authentique, constituerait sans nul doute la preuve la plus éclatante d'un monde intérieur habité en contact avec notre civilisation de surface. Ce témoignage, vous vous en doutez, va faire le bonheur des partisans de la Terre creuse, ceux-là y voyant la confirmation ultime de leur théorie. Mais ce récit est-il crédible? En soi, il est difficile de juger le CV du messager. Nous disions plus haut dans cet ouvrage que Bird était un authentique héros américain dont la carrière militaire s'achèvera avec la grade d'amiral. Mais dans ce cas, peut-on vraiment accorder foi à ce fameux journal apparu dans des circonstances troubles plus de deux décennies après les faits supposés? Rien n'est moins sûr, comme nous allons le voir en examinant de plus près ce document et son histoire rocambolesque. Car derrière l'apparente précision des détails, le ton convaincant du récit se cachent de nombreuses zones d'ombre et incohérences qui incitent à la plus grande prudence. Alors, d'abord, il convient de rappeler que ce journal n'a jamais été produit dans sa version originale. Les seuls extraits connus proviennent d'une retranscription dactylographiée publiée en 1971 dans le magazine Argosy, puis reprise dans divers ouvrages. Une retranscription dont l'authenticité n'a jamais pu être formellement établie et qui comporte de nombreuses erreurs de anachronisme. Ainsi, Bird y mentionne l'utilisation d'un compas gyroscopique. Gyroscopique, ouais. Un instrument qui n'existait pas encore sur les avions de l'époque. Et il décrit aussi son survol de cité. Ouais, c'est pour ça que ça a été. Alors, malheureusement, oui. J'imagine que par la suite, ils ont repris son texte, puis ils ont rajouté des trucs. Enfin, bref, c'est ça. Et il décrit aussi son vol de cité et de village habité, alors que quelques lignes plus loin, il affirme être le premier humain à avoir pénétré dans ce monde intérieur. Plus gênant encore, le style de contenu du journal ne correspondant guère à ce que l'on connaît de la personnalité de ses écrits avérés de Bird. L'amiral y apparaît étrangement crédule et passif, acceptant sans sourciller les révélations les plus incroyables de ses mystérieux hôtes. Lui, qui était connu pour son esprit cartésien et sa rigueur scientifique, semble ici adhérer d'emblée à la thèse d'une Terre creuse, sans le moindre questionnement ni la moindre tentative de preuve. Oui, mais je vais quand même rajouter télépathie, etc. Il faudrait peut-être le souligner, ça, parce que la télépathie, il voit des sortes de géants blonds, hein, énormes, je sais pas, dans les 2 mètres, 2 mètres 50, je sais plus la taille, peut-être plus. Bon, dans sa tête, il dit, ça y est, on m'a envoyé des messages télépathiques, d'un air de dire, bah, ça y est, t'es confirmé, Terre creuse, etc. Même s'il était cartésien, il a complètement ouvert les yeux, hein, faut pas oublier. Hein. Bon. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. Je sais pas comment dire ça, mais bon. Tout est si troublant, et le ton assez new age et prophétique du message délivré par les sages d'Agartha.
Ouais, déjà. Leur mise en garde contre les méfaits de la technologie et leur appel à une spiritualité universelle semble tout droit sorti de la contre-culture des années 60, assez loin des préoccupations géopolitiques et scientifiques d'un officier américain de l'immédiat après-guerre. Cela ressemble à un anachronisme qui suggère une rédaction bien postérieure aux événements relatés. Enfin, il convient de souligner que Byrd lui-même n'a jamais fait le moindre allusion publique à cette expérience extraordinaire, que ce soit dans ses écrits, ses conférences ou ses interviews ultérieures. Un silence d'autant plus assourdissant que l'amiral n'était pas du genre à cacher ses découvertes ou ses opinions, comme en témoigne sa défense passionnée de l'exploration polaire et de la coopération internationale en Antarctique. C'est pour ça que je vous dis, il faut rajouter ce livre-là. Ça, là, ça va beaucoup plus loin. Richard Byrd, Olaf Janssen. Et d'ailleurs, quand il est décédé, je sais même plus, dans les années 50, 57 ou 8, je sais plus quand il est. On l'a complètement oublié presque, hein. Donc c'est pas vraiment par rapport à ce qui. Voilà. Et puis tout son truc, on a tout récupéré, truc secret, hein. Bah oui. Hein. C'est toujours la même chanson. Hein. Et elle va être connue à l'époque, il n'y a pas de problème, mais après on l'a. Et puis voilà, après quand il est décédé, bon, de toute façon. Bon. Et puis ils ont récupéré des trucs comme ça, et hop là, en Antarctique, bien évidemment. Alors ce qui rejoint aussi, j'aurais dû le rajouter, mais je rajouterai quand même. Programmes spatiaux et alliances extraterrestres, tome 3. Je sais pas si je vais en rajouter, je vais alors, que penser de ce journal secret? La thèse la plus probable est qu'il s'agit d'un faux, d'un canular élaboré dans les années 60 par des partisans de la Terre creuse pour promouvoir leur théorie. Un pastiche habile mêlant des éléments de la biographie réelle de Byrd et des inventions pures et des spéculations ésotériques alors en vogue. Une mystification qui a certes rencontré un grand succès dans les milieux alternatifs, mais qui ne résiste guère à un examen antique et historique sérieux. Est-ce à dire que l'amiral Byrd n'a jamais cru à la Terre creuse, ni évoqué cette idée dans ses écrits? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas si simple, et c'est là que cela redevient intéressant. Car comme nous l'avons vu dans notre premier chapitre, le grand explorateur a bel et bien fait quelques allusions énigmatiques à des mystères et des merveilles cachées sous au pôle, notamment lors de ses expéditions Antarctique, voire OVNI en Antarctique. Vous voyez, je vous dis, ça rejoint celui-là. Hein. C'est ce que je vais dire. Hein. Voilà. Et après, je viendrai derrière, à l'intérieur de la Terre, de Ras du Cinéma. Parce que ça, j'avais oublié de le montrer la dernière fois, c'est du très lourd aussi. Très très lourd, d'accord? Je ne sais plus où j'ai mis les autres livres. Je les ai mis quelque part, mais je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Ah, bah, ils sont. Je vous montrerai tout ce qu'il a fait. Je crois que même il y a un tome 5 qui va sortir, mais toujours pas traduit en français. OVNI en Antarctique, du même auteur. Des propres sibyllins qui ont pu nourrir les spéculations les plus folles sur ce qu'il aurait vraiment découvert lors de ses périples. Mais faute de preuves tangibles et face aux nombreuses incohérences de ce prétendu journal, le témoignage supposé de Byrd sur Agartha demeure assez douteux, pour ne pas dire fantaisiste. Il s'apparente davantage à une légende moderne. Oui, mais à l'origine, la légende veut dire vérité. Bah, c'est ce qu'il disait, parce que je sais plus qui disait ça, c'était Jean-Charles Moyen. Rencontre galactique, et il disait qu'à l'origine, les légendes, c'est toujours basé sur une vérité. Donc, bon, légende moderne qui en dit plus sur notre fascination pour leur merveilleux occulte que sur la réalité géologique de notre planète. Une conclusion qui est loin de la clore le débat ne fait que l'ouvrir sur d'autres mystères et d'autres révélations supposées, comme nous l'avons le voir avec le cas troublant des ovnis de l'intérieur. Donc, je vous montrer déjà à l'intérieur de la Terre. Ça, c'est du très très bon aussi. De Ras du Cinamar, le second tunnel de Buseguy. Alors j'avais peut-être fait des vues dans le temps. Je pense même que c'est lui qui répond souvent en dessous. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais il y en a qui s'appelait Cinamar. Est-ce que c'est lui? Je sais pas. Jamais trop su. Peut-être parce qu'il y a tellement de pseudos maintenant, je me méfie. Donc est-ce que c'est lui ou pas lui? J'en sais rien. Mais bon, ça, c'est du très lourd aussi. Tu vois. Je vais vous montrer à la Terre de la Terre. Voilà, attendez. Là, c'est du costaud. Bon, là, c'est au mont Buseguy. D'accord? C'est pour ça que je vous montrais les autres livres. Bon, je vais pas commencer à tout montrer. Voilà. Les types de plantes prédominants à Tomasi. C'est vrai, on part dans des trucs qui n'ont plus rien à voir là. J'aime bien les dessins comme ça donne envie de dessiner déjà. À Tomasi, vous voyez déjà. Donc ça, c'est un livre à posséder parce que c'est du très lourd.
Et ce monsieur-là, il a déjà fait des trucs incroyables. Il y avait La Femme Bleue. Ça aussi, je l'avais lu. Mais bon, j'ai fait des vidéos, mais c'est plus des livres à lire personnels, je veux dire. Parce que faire des vidéos sur ça, c'est assez complexe. C'est pas mal, hein, mais alors, voilà, magnifique. 12 jours, une initiation secrète au mystérieux pays des dieux avec la femme bleue. Il y a bien une femme bleue. Oui, en bleu. C'est du très lourd aussi. Religion du Tibet, etc. Très, très lourd. Puis là, on part. Vous voyez peut-être moins de pages, mais bon. Voilà, 180, 170. Très intéressant aussi. Alors, là, c'est le tome 2, je pense. Mystère égyptien, découverte de Obusegui, roi du Sinamar. D'ailleurs, Daiman, il en parle aussi. Je sais plus où j'ai mis Daiman. Très intéressant aussi. Voilà. Alors là. Mais je vais pas rajouter ces livres-là. En Transylvanie, tiens, c'est là où il y a Vlad III, l'empaleur, Dracula. Le Patagone, de haut responsable, franc-maçonnerie, etc. Vous avez compris déjà? Bon. Ça, c'est du très bon aussi. Et le premier tome, justement, ce qui m'avait, qui était magnifique, c'est celui-là. Base extraterrestre et histoire de l'humanité. Et ça, c'est en Roumanie. Oui, oui, le Sphinx de Roumanie. Pour ceux qui ne savent pas. Ça doit être ça, si je me trompe pas. Ouais, bah c'est pas mal. Mais ce sont ces Roumanie, ça c'est sûr. Voilà, ce que vous voyez, c'est le Sphinx de Roumanie, si je me trompe pas. Voilà, magnifique. Je veux pas me tromper, j'espère que je me trompe pas, mais c'est bien. Ouais, c'est Roumanie, je pense. Voilà. Et ça, c'est bien aussi. Très très bien. Voilà. J'en ai un autre hein, de Daiman. D-E-I-M-I-A-N sur YouTube en grand format. Il parle aussi du Sphinx de Roumanie. Et en dessous, si tu vas en dessous, il y a une sorte de porte dimensionnelle. C'est pas n'importe qui peut passer. Je sais plus s'il y a une sorte d'escalier, d'ascenseur. Enfin, évidemment, pas un ascenseur. Hein, voilà. Comme dans un immeuble, je veux dire. Mais c'est un truc de fou. Quoi. Et c'est pas n'importe qui peut y aller en plus. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est spirituellement. Comment dire ça? Qui a ça dans le sang, on va dire. Il choisit pas une personne comme ça. Pour rentrer à l'intérieur, donc en dessous du Sphinx, il y a une galerie. Un truc de fou. Hein. Après, tu as l'intra-terre complètement. Bon, ça, c'est dans l'autre livre. Voilà. C'est pour ça que ces livres-là, ils sont magnifiques. Voilà. À posséder le rat du cinémaire. Très, très lourd. La femme bleue, alors ça aussi, c'est passionnant. Il est beaucoup, il est plus court. C'est dommage, j'aurais voulu que ce soit plus long. Magnifique aussi. Puis regardez les titres, ça n'a rien à voir avec. Souvent, tout marqué OVNI, UFO, vous voyez. Déjà, on est complètement en perdre. Mais ça se rejoint. Et celui-là, à l'intérieur de la Terre. Alors là. Là, Roumain, etc. Là, c'est du très très bon. Je sais pas si j'ai montré ça. Voilà. Donc ça, c'est des livres à posséder. Pour ceux qui ne connaissent pas, Radu Sinamar. Je crois qu'il y a un tome 5. Peut-être si, je sais plus, mais je sais même pas s'il est traduit, je pense pas. Il me semble qu'un tome 5, mais je suis pas sûr. Voilà, bon. J'espère qu'il va pas tomber. On verra bien. S'il tombe, c'est pas grave. Alors, la suite. Parmi les nombreuses énigmes qui entourent le phénomène des ovnis, l'une des plus troublantes et des plus persistantes est celle de leur origine. Je suis certain que pour moi, vous vous demandez d'où viennent ces mystérieux engins aperçus dans nos ciels depuis des décennies, voire des siècles. Vous noterez que nous avons ensemble franchi le pas qui consiste à accepter l'existence des ovnis. Alors j'imagine qu'il va dire qu'il y en a beaucoup dans l'intra-terre. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'il dira du cinéma, il m'a répondu il n'y a pas longtemps. Enfin, bah, ça va, si c'est le vrai pseudo de lui, je sais pas, j'ai toujours des doutes. Il me dit, tout, ils viennent de l'intra-terre. Tous les ovnis, non. Bah moi, je vais vous répondre, hein, je vais te répondre, ou je vais vous répondre, je vais dire non. Parce que les structures sur Mars, la Lune qui est artificielle, non, elles ne viennent pas tous de l'intra-terre. Il y a aussi sous les eaux, hein, faut pas oublier. Mais tout ne vient pas de là. Ça, je sais qu'il n'y a pas de base, il y a des centaines de bases pour les enlèvements, tout ce que tu veux, les reptiliens, tout ce que tu veux. Mais tout vient sous les volcans. En France aussi, il y en a une ou deux, je crois, de bases. En France, oui, une ou deux bases.
Mais il faut oublier qu'à la Lune, Mars, etc., des structures Anunnaki, non, ça c'est rien à voir. Ouais. Ça c'était même encore plus vieux, ça je pense. Donc, non, là non. Ça rejoint aussi le livre de Thierry Germain, hein, Les momies non humaines de Nazca. Hein. C'est intra-terre aussi, c'est une sorte de reptilien, bon là aussi. Mais tout vient pas de l'intra-terre, c'est ce qu'il me dit tout le temps. J'ai du mal à. Non, ça pour moi non. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, parce que rien que la Lune en elle-même, il y a quelque chose qui cloche. Hein, donc, bon. Et puis il y a quoi le dire, parce qu'une fois qu'elles ont balancé du TNT sur la Lune, elle a sonné, elle a fait un comme une cloche, et ça a duré une demi-heure le son. Donc elle est creuse à l'intérieur. C'est une sorte de vaisseau, quoi, de satellite qui a été abandonné. C'est pour ça qu'il n'y a plus un astronaute qui va dessus, parce qu'ils sont pas la bienvenue, c'est tout. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec l'intra-terre, ici, je vois pas le rapport, moi. Parmi les nombreuses énigmes qui entourent le phénomène des ovnis, l'une des plus troublantes et des plus persistantes est celle de leur origine. Je suis certain que, comme moi, vous vous demandez d'où viennent ces mystérieux engins, aperçus dans nos ciels depuis des décennies, voire des siècles, bah même beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça, sans compter Mars, etc. Anunnaki, hein. Vous noterez que nous avons ensemble franchi le pas qui consiste à accepter l'existence des ovnis. Sont-ils l'œuvre de civilisations extraterrestres venues d'autres planètes ou d'autres galaxies? Ben oui. Pour nous observer, nous contacter, ils sont partout, c'est ce que je viens de dire, et sous la mer. Ou bien faut-il chercher leur provenance ailleurs, dans des régions plus proches et plus secrètes de notre propre monde? Alors on va voir ce qu'il va dire. C'est cette dernière hypothèse qui défend des partisans d'un lien entre ovnis et Terre, creuse pour eux une partie. Alors une partie. Alors là je suis d'accord, une partie. Et pas tout. Les parties au moins des engins d'origine non humaine qui sillonnent notre atmosphère ne viendraient pas de l'espace, là je suis d'accord, sidéral, mais des profondeurs même de notre globe. Voilà, mais une partie. Voilà. Elle serait l'œuvre des civilisations avancées vivant dans les cavités des tunnels d'un monde intérieur et utilisant cette technologie pour explorer et surveiller la surface. Bon, c'est intéressant, encore une fois, là on est dans un truc. L'idée n'est cependant pas nouvelle. Dès les années 40, avec les premières grandes vagues d'observation d'OVNI, des auteurs comme Richard Shaver ou Raymond Palmer ont suggéré que les mystérieux engins pourraient provenir d'un monde souterrain peuplé d'êtres évolués. Dans ses célèbres Mystery Stories, publiées dans la revue Amazing Story, Shaver affirmait ainsi que les soucoupes étaient pilotées par une race ancienne vivant dans les cavernes, les Deros, Deros. OS, doté d'une technologie fantastique héritée d'une civilisation disparue. Mais c'est surtout à partir des années 60, avec l'essor de la théorie des anciens astronautes, voilà, puis on rejoint l'Alien Theory de la série, hein, et l'intérêt croissant pour les civilisations perdues, que le lien OVNI-Terre creuse a pris de l'ampleur. Des auteurs comme Brinsley le Power Trench ou Raymond Drake ont popularisé l'idée que les extraterrestres. Alors, entre guillemets, mais je dirais intraterrestre, de toute façon, ça se retouche. Hein. Et souvent, c'est même une ancienne civilisation qui s'est. Qu'on l'a mis là, on va dire, sur Terre, et puis qu'ils habitent sous Terre depuis belle lurette, qu'ils n'ont pas voulu revenir. Bah oui. Ça aussi, ça pourrait tenir la route. Bon. Visitant notre planète pourrait en réalité être nos voisins de l'intérieur, les habitants évolués d'un monde souterrain caché. Leur argument principal, la similitude troublante entre les témoignages d'OVNI et ceux faisant état de portes ou de passages vers l'intérieur de la Terre. Bon, oui. Ainsi, de nombreux récits d'enlèvement. Voilà. Ben voilà, les enlèvements aussi, il y a beaucoup de ça aussi. Et ils enlèvent aussi jusque sur la Lune. Et c'est, il le dit très bien dans son livre, là, je crois. Ou alors c'est un autre livre, les enlèvements extraterrestres avec la Lune. Ouais. De dernière, c'est pas celui-là. Ou sur la Lune, ils font des enlèvements. Un truc assez horrible aussi. Ils enlèvent des gens jusque là-bas. Hein. Souvent, vous imaginez le bazar. Bon, des auteurs comme Brinsley le Power Trench ou Raymond Drake ont popularisé l'idée que les extraterrestres visitant notre Terre pourraient être arrêtés d'être nos voisins de l'intérieur, les habitants évolués d'un monde souterrain caché. Leur argument principal, la similitude troublante entre les témoignages d'OVNI et ceux faisant état de portes de passage vers l'intérieur de la Terre. Ainsi, de nombreux récits d'enlèvement ou de contact rapportent que les aliens auraient emmené leurs témoins dans des vastes cavernes ou des bases souterraines situées sous des montagnes, ce que je viens de dire tout à l'heure, des volcans ou des régions reculées. Cette géographie rappelle étrangement celle des mythiques entrées vers l'Agartha ou le Shambhala des traditions. Autre argument avancé, le comportement erratique et furtif de nombreux ovnis qui semblent jouer avec les témoins apparaissant et disparaissant. Bah oui, mimétisme, polymorphisme, dématérialisation, matérialisation des ovnis, ils font ce qu'ils veulent, à volonté. Comme s'ils cherchaient à la fois à se montrer et à se cacher.
invisibilité, etc. Bon. Ce comportement s'expliquerait bien qu'il s'agit de vaisseaux venant de l'intérieur de la Terre et cherchant à maintenir le secret sur leur véritable origine tout en surveillant notre monde de près. Les partisans de cette théorie citent également volontiers les étranges cartes dessinées par les contactés, montrant de vastes réseaux de tunnels et de cavernes reliées par des autoroutes souterraines, ou encore les récits faisant état de bases ovnis dissimulées sous les glaces des pôles, rappelant les légendes oasis polaires de l'amiral Byrd, autant d'indices qui, mis bout à bout, dessinent l'image d'une vaste civilisation extraterrestre, utilisant les ovnis pour interagir secrètement avec notre surface. Mais peut-on vraiment accorder crédit à ces preuves? Résiste-t-elle un examen critique et rationnel? Car si l'hypothèse Terre creuse a le mérite d'offrir une explication originale et cohérente au mystère des ovnis, elle n'en reste pas moins hautement spéculative et fragile, reposant davantage sur des analogies et des interprétations que sur des faits tangibles. Alors, d'abord, il convient de rappeler que les témoignages d'ovnis, aussi nombreux et troublants soient-ils, ne constituent pas des preuves au sens scientifique du terme. Je suis assez d'accord parce que les ovnis, souvent, ça ne veut pas forcément dire extraterrestre. Hein. Bon, ça, sur le coup, bon. Mais enfin, il y a environ entre 150 et 160, voire 170 millions de témoins depuis 1947 d'ovnis. C'est pas plus ça. Sans compter ceux qu'ils n'ont pas vus et puis ça passe au-dessus de leur tête. Hein, donc, ou peut-être ceux qu'ils ont voulu. Hein. Il y a peut-être plus de 200 millions de témoins aussi, pour plus, depuis 1947. Bon. Là, quand même, si tout était faux, ce serait extraordinaire. Hein. D'abord, il convient de rappeler que les témoignages d'OVNI, aussi nombreux et troublants soient-ils, ne constituent pas des preuves au sens scientifique de terme. Du terme. La plupart de ces récits, aussi sincères soient-ils, restent subjectifs et invérifiables, sujets à de nombreux biais de perception de mémoire. Quant aux traces physiques parfois avancées, photos, empreintes, résidus. Oui, mais le problème, c'est que les photos. Alors, les empreintes, résidus, d'accord, les photos, elles sont troubles. C'est pas la même dimension. Et c'est ce que je dis dans À propos sur mon compte UFO Cosmos. Dans À propos, vous avez trouvé. Donc, généralement, à 80-90%, elles sont troubles, les photos. Donc, elles sont souvent ambiguës et sujettes à caution. Bah oui, mais c'est normal. C'est pas la même, même dimension. Donc, là, sur le coup. Ensuite, l'idée même d'une vaste civilisation souterraine capable de construire des engins volants ultra sophistiqués se heurte à de sérieuses objections logistiques et technologiques. Où cette civilisation puiserait-elle l'énergie et les ressources nécessaires à un tel développement dans les entrailles d'une planète supposément creuse? La réponse est peut-être dans une formidable avance technologique. Comment maintenir une telle infrastructure secrète sans que le moindre sas ou la moindre base ne finisse par être découverte de manière irréfutable? Certains auraient peut-être intérêt à ce que ces infrastructures ne soient jamais découvertes. Mais soyons honnêtes, pourquoi les gouvernements... Voilà, j'étais en train de penser à ça avant de le lire. Il n'y a pas une histoire de personnes style royaliste qui voulait, comme par hasard, visiter l'Antarctique. Hein. Il n'y a pas des trucs comme ça, hein. Je sais pas. Posez-vous les bonnes questions, encore une fois. Hein, c'est curieux, hein. C'est... On parle de reptiliens, etc. Bon, bon. Enfin, j'y suis au passage, hein, mais j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Hein. Je crois même qu'on va retrouver des photos, je suis pas sûr, mais... Bon, après, je me fie tout le temps, mais j'avais entendu ça, hein, plusieurs fois. Comme par hasard, les grands de ce monde, hein, ceux qui sont aux échelles de la pyramide, comme par hasard, ils ont envie d'aller voir l'Antarctique. Tiens, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Faut oublier que depuis les nazis, 1940. Hein. Bah oui. Bah, soyons honnêtes, pourquoi les gouvernements de notre monde s'obstineraient-ils à nier l'évidence au point d'organiser une gigantesque chape de silence sur les ovnis et leurs occupants? Quel intérêt auraient ces derniers à surveiller notre civilisation de surface tout en refusant le contact officiel? C'est autant de questions qui restent sans réponse qu'on raconte. D'aucuns n'avanceront même des scénarios impliquant des manipulations mentales de masse. Bon. Dissimulation de preuves ou de menaces aliens pour expliquer le statu quo. Nous voilà bien avancés. Alors faut-il rejeter un bloc de l'hypothèse d'un lien entre OVNI et Terre creuse? Pas nécessairement, car au-delà de ses faiblesses et ses dérives, cette idée de la mérite de nous inviter à élargir notre vision, à imaginer les possibilités nouvelles dans notre quête de compréhension des mystères et qui nous entourent. Après tout, l'histoire de science est riche, des sciences est riche, de spéculations folles qui se sont avérées fécondes, d'intuitions poétiques qui ont ouvert la voie à de grandes découvertes, l'extraordinaire est toujours possible, ça en plus. Je suis assez... ouais, non. Mais cette ouverture d'esprit ne doit pas se faire au détriment de la rigueur de l'esprit critique.
Face à l'absence de preuves définitives et aux nombreuses objections soulevées, l'honnêteté intellectuelle impose de considérer le lien ovnitaire creuse comme une hypothèse intrigante mais malheureusement fragile, au même titre que les autres scénarios avancés extraterrestres, temporels, gouvernementaux, pour expliquer le phénomène. Et d'ailleurs, ceci doit nous inciter à la prudence, car cette théorie, aussi séduisante soit-elle, comporte des risques non négligeables. Il est bien, hein, franchement, ces livres, ils sont bien. C'est des petits livres, c'est con que c'est pas très très long. Mais franchement, c'est bien. J'ai pas encore passé à l'Atlantide. Suite de verser dans une forme de pensée magique, substituant le merveilleux à l'observation patiente et méthodique. Et j'ai envie de dire mélodique, mais c'est autre chose, méthodique. Et surtout, de mon point de vue, celui de détourner notre attention des véritables enjeux du phénomène OVNI, car il y a sans doute plus à apprendre et à espérer, d'une approche scientifique rigoureuse et ouverte des OVNI que d'une fuite dans l'irrationnel et le folklore. C'est en collectant patiemment les données, en analysant scrupuleusement les témoignages et en expérimentant prudemment les hypothèses que nous avons le plus de chances de faire progresser notre compréhension de ce mystère fascinant et peut-être un jour d'entrer en contact avec ceux qui en sont à l'origine, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, des confins de l'espace au tréfonds de notre bonne vieille terre. Voilà, en fait c'est ça, c'est tout ça. En haut, en dessous, sous la mer, voilà, c'est partout. De toute façon. Parmi les preuves les plus troublantes avancées par les partisans de la Terre creuse, les témoignages de personnes affirmant être originaires à l'intérieur de notre planète nous imposent un questionnement renversant. Car ces récits, aussi rares que fascinants, semblent offrir un aperçu direct et vivant de ce monde caché, de ses habitants et de leur mode de vie. Ils ouvrent une fenêtre unique sur le merveilleux. Mais que valent vraiment ces témoignages? Peut-on leur accorder du crédit? Ne s'agit-il que d'affubulation, de mystification? L'un des cas les plus célèbres et les plus détaillés est celui de Rodney Cluff. Alors c'est L-U-2-F, Rodney, R-O-D-N-E-Y, Rodney Cluff, dont nous avons déjà évoqué les théories dans notre premier chapitre. Bah oui, en plus c'est vrai, exact. Cet auteur américain affirme en effet avoir recueilli au fil de ses recherches de nombreux témoignages de personnes. Alors, je reviendrai sûrement ce livre parce qu'il y a peut-être encore une ou deux vidéos à faire, c'est sûr. De personnes prétendant venir à l'intérieur de la Terre, qui a compilé dans ses ouvrages. Alors moi, en anglais, c'est pas la peine. World Top Secret. How Earth is Hollow. Et Our Living Hollow Earth, Terre Creuse. Ah, je suis bon en anglais, hein, magnifique. Parmi ces témoins, on trouve notamment certains... Voilà ce que je change. Olaf Janssen, ça c'est bien de le dire, un Norvégien qui aurait vécu au 19e siècle. Très très bien, je vous montre après. Sur ce récit, c'est bien, au moins dans ce livre, il en parle. Si on parlait pas déjà d'en revenir en Antarctique, peut-être avec la Terre creuse, voilà. Janssen, retranscrit par Cluff. Janssen aurait accidentellement découvert une entrée vers le monde intérieur lors d'une expédition en bateau avec son père dans l'Antarctique. Oui, c'était avec son père en plus, c'est magnifique ce passage-là. C'est dans ce livre-là. Rencontre avec l'humanité intraterrestre de Daniel Aron, c'est magnifique. Après avoir franchi un tunnel dans la glace, le père, le fils, et... t'as l'impression d'être dans un film, on n'est pas dans un film, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Hein. Aurait émergé dans un vaste monde éclairé par un soleil central, peuplé d'êtres humains, géants et pacifiques, vivant dans une harmonie parfaite. Cela concorde avec le récit de Byrne. Mais attention, qui aurait vécu au 19e siècle, c'est-à-dire en 1800. Déjà, hein. Bird, c'était les années 20e siècle, hein, 1947. Là, nous étions dans les années 1800. Est-ce qu'il se glauque encore avec le récit de Bird? Alors, Janssen décrit en détail cette situation idyllique, ses récits, ses cités magnifiques, ses jardins luxuriants et technologies avancées basées sur l'énergie Vril. 19e siècle, Vril. Et quand c'est que les nazis, ça arrive après. Cette énergie cosmique, cette sorte de fluide permettant tous les prodiges. Il évoque aussi la sagesse et la spiritualité de ses habitants, encore une fois, spiritualité, ça revient souvent. Hein. Les Olaf, qui vivaient en contact télépathique permanent et vénéreraient une divinité suprême appelée le Smoky God. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, le dieu God, mais Smoky. Un récit merveilleux qui semble tout droit sorti d'un conte ou d'un roman d'aventure. Alors, les Olaf. O-L-A-F-S. Autre témoignage cité par Rodney Cluff. Alors lui, ça a été bref.
C'est bien de la faire rappeler parce que lui, par contre, il y a un chapitre complet sur la Janssen. Avec son père, c'est magnifique. Hein. Moi, je vous le dis, ce livre, ça va posséder hein, notre inter. C'est magnifique. Parce que là, t'es parti dans un truc. T'es pas là, tiens, j'ai vu un ovni, tiens, un atterrissage. Non, on part dans un truc complètement. Je pourrais dire délirant, mais c'est un truc de fou. C'est démesuré. C'est ça que j'aime bien. C'est démesuré, j'aime bien. Parce que c'est tellement gros que, bon, tu te dis, ouais. Mais là, bon. C'est du très lourd. Autre témoignage cité par Rodney Clough, celui d'un certain Maurice Doréal, je me souviens plus de ça, peut-être qu'il en parle, je ne sais plus, qui aurait été le chef d'un groupe spirituel appelé les Brotherhood of the White Temple dans les années 40. Alors, faut faire attention s'il n'en a pas fait une sorte de secte, parce que souvent, le problème c'est ça, on en prend tous. Mais... Selon Doréal, il aurait été lui-même contacté télépathiquement par les maîtres, bon, de l'intérieur de la Terre, qui lui aurait transmis un enseignement ésotérique et des prophéties sur l'avenir de l'humanité. Doréal affirme même s'être rendu physiquement dans leur monde à plusieurs reprises, décrivant leur mode de vie communautaire et leur pouvoir physique psychique stupéfiant. On pourrait citer bien d'autres récits du même type, comme celui de Diane Robbins, alors D-I-A-2-N-E, Diane, Robbins, R-O-2-B-I-N-S, qui aurait prétendu être en contact télépathique régulier avec la bibliothèque vivante d'Agartha, ou celui de Charula Dux, S-H-A-R-U-L-A-D-U-X, qui affirme être la princesse d'une civilisation souterraine nommée Tello. Tous ces témoignages aussi détaillés et captivants soient-ils ont en commun de dépeindre un monde intérieur idéalisé, sorte d'utopie spirituelle et technologique, où l'humanité vivait en harmonie avec elle-même, avec la nature. Finalement, un programme qui pourrait séduire un grand nombre d'entre nous. Mais peut-on vraiment accorder foi à ces récits? Résistent-ils à un examen critique et rationnel? Pour le coup, c'est assez incertain, car si ces témoignages ont le mérite d'alimenter notre imaginaire et notre soif d'ailleurs, forcément, ils présentent aussi de nombreuses faiblesses et incohérences qui incitent à la plus grande prudence quant à leur véracité. Oui, parce que là, ce que je viens de dire, les derniers, la Diane Robbins, télépathique avec la bibliothèque vivante d'Agartha ou Charula Dux, qui affirme être la princesse, d'une civilisation souterraine nommée Tello. Bon, d'abord, il convient de noter que la plupart de ces témoins ne fournissent aucune preuve. Bah oui, c'est ça aussi, il y en a, ils partent dans des trucs tangibles et leur prétendue origine intraterrestre. Pas de vidéo, pas le moindre petit selfie, pas d'objets, pas de documents permettant d'attester la réalité de leur voyage, de leur contact avec le monde intérieur. C'est pour ça qu'il vaut mieux Richard Byrne ou le voyage en scène. Pour moi, c'est beaucoup plus sérieux. Là, je pense qu'on est d'accord. Non, on rentre dans un truc, ça fait un peu de dérive. C'est mon avis, mais pour moi, ça fait dérive sectaire. Je peux me gourer, mais bon, là, on rentre dans un truc, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Là, ouais. Pourquoi pas les témoins de Jéhovah, c'est pareil, hein, c'est autre chose, hein, c'est pas tellement mieux. Hein. Tout au plus avons-nous affaire à des récits souvent de seconde et de treizième main, sans possibilité de vérification directe. Ensuite, il est frappant de constater à quel point ces témoignages se ressemblent, se font écho comme s'ils étaient issus d'un même moule narratif. On y retrouve toujours les mêmes des éléments, un monde souterrain baigné de lumière, une civilisation hautement évoluée, une sorte de deuxième soleil aussi. Des êtres sages et bienveillants, des technologies magiques. Oui. Cela évoque un imaginaire stéréotypé qui semble davantage refléter nos fantasmes et nos aspirations que la description d'un monde réel. C'est un peu là où le bas blesse. Plus gênant encore. Ces récits fourmillent souvent d'incohérences et d'anachronismes qui jettent le doute sur leur authenticité. Ainsi, le témoignage d'Olaf Janssen, censé dater du 19e siècle, contient de nombreuses références à des concepts et des technologies du 20e siècle, comme des ovnis ou l'énergie atomique. Et oui, c'est ça le truc. Quant aux descriptions de la vie à l'intérieur de la Terre, elles semblent curieusement calquées sur les utopies New Age. Alors ça, par contre, j'aime pas New Age, ça, c'est pas du tout. Comme Aliena Danan, c'est un truc à éviter, ça. Des années 60-70. Avec leur insistance sur la paix, l'amour et l'éveil spirituel. Bah oui, ça, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est un petit peu bon. Tout cela il suggère que nous avons davantage affaire à des fables, voire des faux, élaborés, qu'à des témoignages authentiques. Une hypothèse renforcée par le fait que la plupart de ces révélations émanent de personnalités controversées, souvent liées à des groupes ésotériques à la marge. Ainsi, Maurice Doréal était connu pour ses croyances excentriques mélangeant. Ah ouais, voilà. Théosophie, ufologie et néo-templarisme. Tandis que Diane Robbins
est une figure de la mouvance New Age. Ah, voilà, aux théories très alternatives. Bien sûr, cela ne suffit pas à discréditer les priori de ces témoignages. Après tout, encore une fois, rappelons que l'histoire est riche de récits extraordinaires qui se sont avérés véridiques, et il serait présomptueux de rejeter en bloc toute expérience sortant de notre cadre de référence habituel. Mais cela invite à la grande vigilance face à des révélations aussi sensationnelles que douteuses, émanant de sources aussi fragiles que partiales. Alors, faut-il rejeter en bloc ces témoignages intraterrestres? Pas nécessairement, mais il convient de les examiner avec la plus grande prudence et le plus grand discernement, sans naïveté ni parti pris. De les considérer pour ce qu'ils sont, non pas des preuves irréfutables, mais au mieux des récits invérifiables, au pire des femmes séduisantes et trompeuses. Alors, et de toujours garder à l'esprit que la vérité, aussi extraordinaire soit-elle, ne se laisse pas appréhender par la force de la croyance et du désir. Cette armée de cette vigilance critique que nous poursuivons notre exploration des mystères de la Terre creuse en nous penchant sur les mythes fascinants de Shambhala et d'Agartha. Un mythe, mais il y avait un jeu comme ça, Uncharted, bon, pour ceux qui connaissent Uncharted sur PS5, même les anciens qui ont tourné sur PS5, PS4, PS5, bon, bah, à un moment c'était dans le 2, je crois, ça remonte déjà, hein. Dans 2009 ou 10 le jeu. C'est des Shambhala et Agartha qu'on parlait justement. Vous voyez comme quoi les jeux vidéo, tout ça, bon, c'est aussi. Un mythe ancien et protéiforme qui a trouvé un écho inattendu dans la culture populaire moderne et qui n'a pas fini de nous interroger. Alors, sur les liens entre les mondes, le monde extérieur et cet hypothétique monde intérieur. Parmi les nombreux mythes et légendes associés à l'idée d'un monde intérieur, celui de Shambhala occupe une place à part. Cette cité mystérieuse, censée abriter une civilisation spirituellement et technologiquement avancée, en effet, fasciné des générations des chercheurs et des ésotéristes qui ont vu la preuve de l'existence d'une terre creuse, bah oui, mais bon, après, abritant les vestiges d'une humanité supérieure. Mais en fin de compte, d'où vient ce mythe? On nous dit vraiment. Que nous dit-il vraiment sur notre quête d'un ailleurs intérieur? Et quel lien entretient-il avec les théories creusistes modernes? Et vous me passez l'expression. L'origine du mythe de Shambhala remonte à des temps immémoriaux, et quand on dit immémoriaux, ça veut dire que cela ne date vraiment pas d'hier. On en trouve des premières traces dans les textes sacrés du bouddhisme tibétain, bah oui, notamment le Kala Chakra Tantra, qui décrit une cité idéale située au cœur de l'Himalaya. Alors, de toute façon, parce que l'Himalaya, j'ai déjà entendu des histoires qu'il y a beaucoup d'ovnis qui sortaient sous les montagnes, je sais plus où. Beaucoup de trucs quand même fascinants, hein. Alors, attention, hein, ça va. Je crois que c'était l'Himalaya. Hein. Tibet, etc. Bon. On régnerait un roi prêtre éclairé, le Kulika, gardien d'une sagesse et d'une technologie supérieure. Selon la tradition, cette cité serait accessible uniquement aux êtres purs et éveillés, capables de transcender les illusions du monde matériel pour accéder à une réalité supérieure. Alors, je suis en train de penser à un fond d'écran que j'avais vu une fois qui était magnifique. Je vais essayer de le retrouver. Tibétain, tout ça, avec un ovni au-dessus, c'était magnifique. La sagesse, etc. Bon, bref. Bah, c'est vrai que moi, sans les cheveux, ça pourra le faire, hein, un Tibétain, sur le coup. Mais c'est surtout à partir du 19e siècle, avec l'intérêt croissant des Occidentaux pour l'Orient et ses mystères, que le mythe de Shambhala prend une nouvelle dimension. Des auteurs comme Elena Blavatsky, ah bah oui, fondatrice de la société théosophique ou Saint-Yves d'Alvevèdre, père du synarchisme, s'empare du mythe et la réinterprète à l'aune de leur propre doctrine ésotérique. Pour eux, Shambhala n'est pas seulement une cité cachée, mais le centre spirituel secret de la Terre, d'où les maîtres de sagesse guideraient l'évolution de l'humanité. C'est dans ce contexte que le lien entre Shambhala et la Terre creuse commence à se tisser. Déjà, Elena Blavatsky suggère dans son livre La Doctrine Secrète, ça remonte à 1888 quand même, que la cité mythique pourrait se trouver dans les profondeurs de la Terre, accessible par un réseau de tunnels et de cavernes. Mais c'est surtout avec l'émergence des théories creusistes modernes. Alors ça, c'est comme avant Richard Byrne, quand même. Encore une fois, je préfère rappeler. Mais bon, mais c'est surtout avec l'émergence des théories creusistes modernes dans la première moitié du XXe siècle que cette connexion va prendre toute son ampleur. Ainsi, des auteurs comme Raymond Bernard, dans son livre The Hollow Earth, la Terre creuse, 1964, affirment que Shambhala
ne serait autre que la capitale du monde intérieur, le siège du gouvernement des maîtres chargés de veiller sur l'humanité de surface. Selon lui, la cité serait située au cœur d'un vaste réseau souterrain, reliant les différents royaumes de l'intérieur de la Terre et abritant une technologie éthérique capable de défier les lois de la physique ordinaire. D'autres, comme Rodney Cluff, vont jusqu'à assimiler Shambhala à l'Agartha des Théosophes, cette autre cité mythique censée se trouver sous la surface. Pour les Théosophes, il s'agirait en réalité d'un seul et même lieu, le centre névralgique d'une civilisation extraterrestre avancée en contact télépathique permettant avec l'élite spirituelle de l'humanité extérieure. Un lieu, où la science et la spiritualité ne feraient qu'un, bah oui. Et d'où jaillirait la lumière d'un soleil central éclairant le monde creux. Bien sûr, ces théories ne reposent sur aucune preuve tangible et relèvent davantage de la spéculation ésotérique que de l'étude historique et mythologique sérieuse. Enfin, c'est clair, hein, quand tu vois que c'est sérieux, Darwin, tu crois que c'est sérieux, tu crois que les permis d'exister, c'est sérieux, 3500 ans. Bref, ouais. Les rares artefacts. Ah ouais, ce côté-là, c'est pas, ça peut pas voir l'autre non plus, parce que surtout qu'il y a des permis sur Mars. Hein. Les rares témoignages des voyageurs, puis la Lune, etc., bon, prétendant avoir visité Shambhala, comme celui de Nicolas Roich dans les années 1920, se révèlent à l'examen. Ça me dit quelque chose, ça. À l'examen plus que douteux, entaché de quelques contradictions. Ouais. Quant à l'idée même d'une cité souterraine abritant une technologie supérieure, elle se heurte aux objections scientifiques déjà évoquées à propos de la Terre creuse en général. Mon général, j'allais dire. Mais au-delà de leur manque de crédibilité, ces théories nous en disent long sur la fascination que continue d'exercer le mythe de Shambhala sur nos imaginaires. Car derrière l'idée d'une cité cachée au cœur de la Terre, c'est bien notre soif d'un ailleurs merveilleux et salvateur qui s'exprime, notre espoir d'un monde meilleur, préservé de turpitude et des imperfections du nôtre. Le problème, c'est que le nôtre, il a été basé sur beaucoup de mensonges. La technologie, les portables comme des zombies. Ouais. J'ai envie de dire ça aussi, quand même, au passage. Cette fois, j'aime bien un petit peu l'ouvrir. Bon, on est vraiment. Surtout avec tout ce qu'on voit en ce moment, hein, les médias, c'est infernal. C'est tellement. Bon, bref. Il y a des choses horribles, oui, mais. Il faut s'envoyer un petit peu plus, quand même. Bon, les turpides et les imperfections d'une autre, un monde où l'humanité vivait en harmonie avec elle-même et avec les forces cosmiques guidées par des êtres de sagesse et de connaissance. En ce sens, le mythe de Shambhala rejoint celui du paradis perdu, de l'âge d'or ou de l'utopie future, ces non-lieux où se projettent nos désirs et nos espérances les plus profondes. Projet, j'ai envie de dire protège, mais bon. Un mythe qui, s'il peut sembler naïf ou illusoire, n'en garde pas moins une portée symbolique et spirituelle forte. Car il nous invite à chercher en nous-mêmes cette terre intérieure de paix et de sagesse plutôt que dans des spéculations géologiques hasardeuses ou des révélations ésotériques douteuses. Car c'est en explorant notre propre intériorité, en faisant le voyage en nous-mêmes, que nous avons le plus de chances de trouver ce qui nous chercherons vraiment. Non pas une vérité cachée au centre de la terre, mais une voie d'éveil et de réalisation au cœur de notre être. Une visite au centre de la Terre qui, à force de travail de rectification, permettra peut-être de trouver la pierre cachée. Alors faut-il renoncer définitivement à Shambhala, à Agartha et aux autres cités mythiques de l'intérieur de la Terre? Pas nécessairement. C'est sur cette note réflexive que nous conclurons notre exploration des liens entre les mythes de Shambhala et la théorie de la Terre creuse. Au-delà du mythe de Shambhala et des témoignages directs de visiteurs prétendant être allés à l'intérieur de la Terre, il existe une multitude d'autres récits de légendes évoquant l'existence d'un monde souterrain habité. Ces histoires qui, elles, ne prouvent rien quant à la réalité d'une Terre creuse, n'en témoignent pas moins de la persistance de ce thème dans l'imaginaire humain à travers les âges et les cultures. Parmi plusieurs scènes de ces légendes, on trouve celle de l'Hadès grec ou de Sheol hébreu. Ces royaumes des morts situés sous la surface de la terre, où les âmes des défunts étaient censées séjourner pour l'éternité, des lieux sombres et effrayants, certes, mais qui suggèrent déjà l'idée d'un monde d'en bas, parallèle aux nôtres, avec ses propres lois et ses propres habitants. Dans la mythologie nordique, on trouve une idée similaire avec le Svartalfheim, le monde des elfes noirs. Situé sous la terre et peuplé de créatures mystérieuses et puissantes, les nains et les alfes. Ah, c'est bon, j'aurais dit elfe, bon,
Les elfes. Ouais, bon, d'accord. Un monde de force, de forges et de trésors cachés où les dieux eux-mêmes venaient chercher des armes et des objets magiques. Là encore, l'idée d'une civilisation souterraine technologiquement avancée semble préfigurer des spéculations modernes sur Nagarta et ses merveilles, mais c'est surtout dans le folklore et les contes populaires que le thème du monde souterrain trouve son expression la plus riche et la plus variée. Ainsi, de nombreuses histoires allemandes parlent de Untersberg, Berg, une montagne magique abritant dans ses profondeurs des royaumes enchantés où des chevaliers et des princesses attendent le jour de leur réveil. Ces récits ont inspiré des auteurs comme Ludwig Tirk ou les frères Grimm, oui, et qui ont contribué à ancrer dans les imaginaires l'idée d'un pays intérieur merveilleux. Il y avait un film comme ça, des frères Grimm. C'était avec Heath Ledger. J'aime bien cet acteur-là parce que je crois que c'est lui, Heath Ledger. Il avait joué dans Dark Knight, l'excellent Joker, c'était magnifique. C'est une interprétation, j'ai jamais vu ça. Et c'était les frères Grimm avec Heath Ledger, je crois. Alors, je sais plus quelle année, début 2000. Certainement. Un truc comme ça, avec quelqu'un d'autre qui était connu aussi. Bon. Ouais, les frères Grimm, il faudrait faire ses recherches, mais bon. Et parfois peu accueillant. Alors de même, les contes russes regorgent d'allusions à un monde souterrain souvent associé à la figure de Kotchaï l'Immortel, un sorcier maléfique gardant prisonnier dans son royaume caché de belles princesses et des trésors fabuleux. Ce thème se retrouve aussi dans les légendes caucasiennes de Narth, Narts. Ces héros mythiques affrontant des démons et des monstres, ouais, bah, ça se rejoint à chaque coup, hein, dans les entrailles de la terre pour en ramener la lumière et la vie. Ailleurs dans le monde, des récits similaires évoquent l'existence de cités et de royaumes souterrains. Alors, ainsi, les Indiens Hopi d'Amérique du Nord parlent de Sipapu, Papu, Sipapu, un tunnel sacré reliant notre monde à celui d'où seraient venus leurs ancêtres, où ils retourneront après leur mort. Bah ça rejoint les livres que j'avais déjà fait de Hardy Siskiller Clark. Voilà. Magnifiques Amérindiens, j'en ai deux. Enfin, j'en ai un autre, c'est. Je sais plus le titre, avec les hommes bleus, je sais plus quoi. Et l'autre, c'est les Amérindiens. Ouais. En Amérique du Sud, les Mayas croyaient, eux, en Xibalba, un monde inférieur peuplé de seigneurs effrayants et d'épreuves. Ben, ça se rejoint toujours. Hein. Et d'épreuves mortelles que les héros jumeaux Unapu et Xabalank durent traverser pour ressusciter leur père et dieu du maïs, le dieu du maïs. En Afrique, de nombreux contes parlent de villages ou de pays entiers engloutis sous terre à la suite d'une malédiction ou d'une catastrophe, mais où la vie continuerait sous une forme différente. C'est bien de rappeler tout ça parce que ça fait voir que c'est pas nouveau. Hein. C'est le cas par exemple de la légende d'Ogon, ben voilà, la cité des serpents. Alors là, on a plein dedans, comme Adam et Ève. Hein. Ah, jusqu'à. Pas dire quoi, mais je crois qu'on a compris la pyramide. Un monde souterrain où les initiés pourraient accéder à une connaissance supérieure, à des pouvoirs magiques. On pourrait multiplier ainsi des exemples, dits de l'Australie à la Chine en passant par la Perse et l'Irlande. L'Irlande, c'est plus des elfes, tout ça. Bon, ça se rejoint. J'imagine. Des elfes, des sifs, des. Ouais, comme ça. Partout, semble-t-il, l'humanité a rêvé et rêve encore d'un en-dessous mystérieux, tantôt effrayant, tantôt merveilleux, mais toujours porteur d'une altérité radicale et fascinante. Un monde autre, miroir inversé, ou complémentaire du nôtre, où se projettent nos peurs et nos espoirs les plus profonds. Presque fini. Bien sûr, la plupart de ces récits relèvent de la fiction pure et il serait vain d'y chercher une quelconque vérité géologique ou historique. Ça fera pratiquement 1 heure, vous imaginez. Mais n'apporte pas moins un sens profond, une vérité symbolique et psychologique qui éclaire notre rapport au monde et à nous-mêmes. Car en imaginant un monde d'en bas, c'est souvent notre propre intériorité que nous explorons. Avec nos zones d'ombre et de lumière, ces trésors cachés et ces monstres inavoués. Alors, intériorité, puis infériorité aussi avec un F, dans un autre sens. Sur ces mots qui nous ont peut-être fait prendre un peu de hauteur, ou nous faire descendre de quelques étages, nous refermons le chapitre des récits légendaires pour entrer dans une nouvelle dimension de notre exploration, celle de la culture populaire. Et de ses innombrables représentations d'un monde intérieur, un univers foisonnant haut en couleurs où la terre creuse n'a pas fini de nous surprendre et de nous enchanter. Alors, tiens, je vais regarder un truc. Putain, ouais, ça m'étonne pas que c'était long. Hein. Excusez-moi de parler gaffe, mais. Hein. Oh, waouh, wow, ouais, là.
vais regarder. Okay. Et une petite image à la fin. Voilà, la creuse avec les ovnis, voilà, qui passerait à l'intérieur. Voilà. Dieu, là, on la verra bien la terre creuse là. Là, je crois qu'il y aura un problème là. Voilà, chapitre 3, magnifique. Je rajouterai les deux autres livres quand même. Hein, bon, parce que c'est le même auteur. Alors, enlevé par extraterrestre, j'ai pas trouvé, peut-être une autre fois. Ça, à la limite, j'ai tellement dit sur ça que. Bon. À la limite, c'est pas trop grave. Témoignage et expérience vécue, chapitre 3. Voilà, pour montrer. Voilà. Allez, hop. Celui-là, forcément, je remettrai le lien de celui-là, forcément, et de celui-là. Voilà. Et surtout les deux derrière aussi. Voilà. Allez, je coupe là. Merci. 1 heure pile. Bon, bah, c'est parfait. Ça fera peut-être 1h3, 4, 5, je sais pas. En tout. À la plus. À bientôt. Merci.